السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة يونيو 2022 بالنسبة لمسلك العلوم الاقتصادية وكذا مسلك علوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية. إذن الموضوع هو أمامكم، سأصححكم بتصحيح الموضوع أو التمرين الثالث ديال الاحتمالات. وسبق لي طبعا الحال بالنسبه للتمارين الاخرى يمكنكم الاطلاع على التصحيح ديالها كذلك في القناه ديالي. اذا على بركه الله. اذا هذا فقط للاستئناس حتى تكون حتى بالنسبه للطلبه الذين يحاولوا باش يستعدوا لا قدر الله لامتحان الدوره الثانيه. اذا فهذا طبعا الحال كموضوع مقترح للاستعداد مرة أخرى، وأتمنى لكم مسبقا حظا سعيدا. إذن voilà, vous avez un sac contenant 5 boules blanches qui sont numérotées comme suit 1, 2, 3, 3, 3 et 4 boules noires numérotées 1, 2, 3, 3. Alors toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément au hasard 2 boules du sac. On considère les événements suivants. A, les deux boules tirées sont de même couleur. B, l'une exactement des deux boules tirées porte le numéro 3. Montrer que P de A égale à 4 neuvièmes. Calculer P de B, calculer P de A inter B, est-ce que les événements sont indépendants? Justifiez votre réponse. Et la deuxième question, soit X la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules blanches tirées et qui porte le numéro 3. Alors copier et remplir le tableau ci-contre en justifiant les réponses. Alors enfin, calculer E de X, l'espérance mathématique de la variable aléatoire X. Alors voilà, je pense que le sujet est bien rempli. Alors je passe maintenant à la correction de l'exercice. Alors la première des choses, c'est on va faire ici un schéma pour ne pas se tromper. On a 5 boules blanches et on a 4 boules noires. Donc les boules blanches, elles portent le numéro 1, 2, 3, 3, 3 et les boules noires portent le numéro 1, 2, 3, 3. Alors, la premièrement, on va chercher le cardinal d'oméga, le nombre d'es possible. Donc, c'est-à-dire, c'est on a tiré deux boules parmi le nombre de boules qu'on a, c'était 9. Donc, vous faites votre calcul, donc c'est 36. Alors, l'événement A, c'est quoi? Normalement, l'événement A, ça correspond à tirer deux boules qui sont de même couleur. Ça veut dire quoi? Que les boules soient rouges toutes les deux, soient noires toutes les deux. Alors, P de A n'est autre que, faut tirer donc deux boules, soit parmi les boules blanches, c'est-à-dire qu'on a 5, soit tirer deux boules parmi les boules noires. Et toujours, ça restera toujours sur cardinal de oméga. Donc, c'est 10 plus 6 sur 36, ça vous donne 16 sur 36. Alors vous allez effectuer en division par 4, ça vous donne 4 neuvièmes. Donc c'est bien le résultat. Alors pour l'événement B, donc ça correspond, il faut tirer 2 boules comme toujours, mais il faut que l'une des boules porte le numéro 3. Peu importe qu'il soit blanche ou noire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc la probabilité de cet événement-là, il faut tirer 1 parmi les boules qui portent le numéro 3, c'est-à-dire que c'est un nombre 5, et l'autre boule parmi les autres boules qui ne portent pas le numéro 3, c'est-à-dire 4, toujours sur 36. Donc ça vous donne 20 sur 36, donc c'est 5 neuvièmes. Alors, pour la question C, donc A inter B, c'est quoi? Donc, c'est équivalent. Donc, il faut que les deux boules tirées, il y a soit d'abord de la même couleur, soit noire, soit blanche, et dont l'une porte le numéro 3. Alors, combien, vous voyez, remarquez qu'on a uniquement deux possibilités, parce que vous savez que P de A inter B n'est autre que cardinal de A inter B
que je divise par cardinal de oméga. Alors, puisqu'on a ici deux possibilités seulement, donc on aura 2 sur 36, donc c'est 1 sur 18. Alors, vous remarquez bien sûr que, est-ce que ces deux événements sont indépendants? Pour dire qu'ils sont indépendants, il faut vérifier que, remarquez que P inter B, est-ce qu'il est égal ou non P de A fois P de B? Alors, s'ils sont égales, on dit qu'ils sont indépendants. Dans le cas contraire, ce n'est pas indépendant. Mais pour nous, on remarque que P inter B est tout à fait différent de P de A fois P de B. Alors, on dit dans ce cas que l'événement A et B ne sont pas indépendants. Voilà. J'espère que ma réponse est juste. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc, l'aléatoire, la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules tirées et qui porte le numéro 3. Bien sûr, c'est les valeurs que doit prendre x, c'est 0 ou bien 1 ou bien 2. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous a donné le tableau comportant ces numéros-là. Alors, on va chercher d'abord montrer. On vous donne P de x égale à 0, donc il nous reste chercher P de x égale à 1 et P de x égale à 2. Alors, P de x égale à 1, c'est-à-dire que pour que les nombres de boules tirées blanches soient égales à 1, il faut tirer une boule parmi les 3 boules qui portent le numéro 3, parce qu'on a seulement 3 boules qui portent le numéro 3 parmi les boules blanches, et il nous reste de tirer une autre boule parmi les autres boules qui ne portent pas le numéro 3, qui sont au nombre de 6. Alors voilà, sur 36. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 18 sur 36. Donc il nous reste P de x égale à 2. Dans ce cas, il faut tirer 2 boules parmi les boules blanches qui portent le numéro 3, qui sont au nombre de 3 sur 36. Donc, c'est dans 3 sur 36. Alors, on doit quand même vérifier que la somme des P de X doit être égale à 1. Donc, 3 plus 18, ça fait 21. 21 plus 15, c'est 36 sur 36, c'est bien égal à 1. Donc, ça, c'est vrai. Donc, il suffit maintenant de remplir votre tableau. Donc, x, on a 0, 1, 2. Ici, p de x. Donc, ici, on a trouvé 15 sur 36. Donc, ça, c'est xi, si vous voulez. P de x égale à xi. Donc, ici, on a trouvé, donc, 18 sur 36. Et ici, on a trouvé 3 sur 36. Alors, il me reste maintenant de calculer l'espérance. Donc, vous savez bien sûr que l'espérance n'est autre que le produit de x fois p de x, c'est-à-dire la somme de, c'est-à-dire 0 fois 15 sur 36 plus 1 fois 18 sur 36 plus 2 fois 3 sur 36. Donc ça vous donne 18 sur 36 plus 6 sur 36. Donc c'est 24 sur 36. Alors si je divise par 4 de part et d'autre, plutôt par 6 même, donc c'est 4 sur divisé par 4. Donc si je divise ici par 6, ça me donne 4 divisé par 6, donc 6, donc je peux même aller plus loin, diviser par 2, donc c'est 2 tiers. Donc je divise par 12, ici par 12, donc c'est bien 2 tiers. Donc voilà l'espérance de la variable aléatoire x. Alors là, on a donc terminé la correction de ce sujet concernant la probabilité. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.